Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media Now. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media Now là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. N'est capable d'occuper pour ça. Est-ce que pays a 40 hommes là-dedans? C'est seul monsieur capable de chef la police. Nous voulons demander plus simplement démission, monsieur, ou bien arrestation, monsieur, dans tête la police. Et si n'a pas de la police, il va être tout marié avec la justice. Et tout le monde, nous montons pour juge William Morin. Le fait que monsieur était allé dans la radio métropole dénoncer Léo Charles, et nous va venir une réponse tout de suite après, eh bien, monsieur retiré trois policiers qui affectaient, eh bien, comme sécurité rapprochée, juge Morin. Ça veut dire ça. Si juge Morin pas mourir dans la minute n'a pas parlé là, Léo Charles pas responsable, parce qu'il mettait toutes conditions pour juge à mourir. Deuxièmement, est-ce que son plan est gagné pour assassiner juge Morin? Mais troisièmement, nous venons dire, quel que soit sacré juge Morin là, il est sous responsabilité Léo Charles, et s'il fait, si Léo Charles fait, lui pas fait, c'est sûr qu'il fait avec Ariel Henry. Et maintenant là, tout le monde connaît, Martin Montez va répondre à la question de la justice sur la question de la mort de Jovenel. A noter, juge là qui était sous dossier Jovenel là, il était des deux policiers déjà, qui partent même en dehors de Jovenel, il transférait tous les policiers ça au pénitentiaire national. Alors que Martin Montez, qui était en dehors de chambre, qui voit tout le bagaille à Denaoué. Pendant le film, tout le bagaille, c'est parce que chaque côté Martin passait, il y a un jargon différent. C'est chaque côté arrivé, il y a un langage différent. C'est chaque côté passé, dans le même dossier de moi, Jovenel là, il y a une parole différente. Sous base ça, nous demandons des juges là, pire et simplement, eh bien, pour tout qu'il y ait Martin dans le dossier ça, parce que moi, j'ai une pile d'explication pour le bail dans le dossier ça. 12 mars, village des dieux. La police n'a pas de mesure pour te récupérer le cadavre. Mais vos policiers qui mourent là avant, il y a un matissant. Pendant la police a récupéré vieux cagasse machine, ils n'ont pas de mesure pour récupérer le cadavre policier ça, pour le remettre en famille, pour le travailler en enterrement. Et pourquoi pas même payer à te travailler sur enterrement? Parce que dans mon logique, monsieur mourut dans sa de les protéger des services. Ça veut dire qu'il défend la population. Je dis, hein, le même la police là, qui a Léon Charles en tête. Pendant monsieur Saoui les Jovenel qui est président du pays, qui nomme monsieur comme directeur général de la police, qui m'a vu tout privilège, Jou Jovenel, t'es chauffeur, t'es dans le courrier, que t'es venu tout là, eh bien, rapport au bail, eh bien, Jovenel t'es relé Léon Charles en 3 à 7 fois. Par contre, monsieur pas paraître pour le début de sauver Jovenel. Mais par contre, je dis, oh, monsieur toujours été là comme directeur général de la police. Nous lui demandons, monsieur était là pour le sauver qui est. Monsieur était là pour le protéger qui est. Monsieur était là pour garantir la sécurité qui est. Parce que tout le monde est comme un volume de l'appel augmenté. Dans le rapport nous avons avec la population, par rapport avec le volume de monde qui est kidnappé par jour, eh bien, dans le monde qui parle avec nous, qui est kidnappé tout le monde, qui est kidnappé Marie, qui est kidnappé Madame, qui est kidnappé ses frères, nous venons joindre, eh bien, il est presque monté entre 15 à 20 kidnappings par jour. Et par contre, jusqu'à présent, il a dégénéré. La police n'a pas pour bailler aucune réponse. Il vient poser nous, donc nous ne pouvons pas faire pas. Parce que c'est une bonne décision, mais dès qu'il y a une décision, ça en a mis dans nous, nous ne pouvons pas profiter de lui. Je dis, c'est blanc de côté de la vie. Et c'est bien malheureux. Nous avons deux mondes, dans l'accord 11 septembre, qui montent au créneau, qui n'est pas d'accord avec ça. C'est rapide. Mais dès 11 septembre, dans toute l'histoire de l'humanité, date 11 septembre sont date criminelle, sont date assassin. Nous rappelons 11 septembre 1973 dans le pays Chili avec le coup d'état Augusto Pinochet contre Salvador Allende, nous équivalent des gars qui étaient morts dans l'époque là. Nous prenons la caille 11 septembre 1988 dans Saint-Jean Bosco, crime qui était fait, famancé, qui était assassiné, piqué, etc. Nous prenons 11 septembre 2001 aux États-Unis avec l'effondrement et de World Trade Center. Je dis, où est M. Damio, le baron, qui vient d'accoucher, il y a un accord pour montrer nous son accord. Ça n'a pas rien pour le web avec question peuple. Il y a un accord pour accord Gofal, qui c'est accord 11 septembre 2021. Encore 11 septembre, une date criminelle. Pour ça valait tout le jour de gagner, il n'y a pas choisi n'importe quel autre jour, mais on a choisi date 11 septembre. Donc,
Donc, date 11 septembre 2021, pour te signer à quoi ça, ce n'est pas une date que tu as choisi par hasard. Tu vas choisir par hasard parce que vous ne pouvez pas te regarder. Raison est bien simple. Je dis, nous, qui parlons Chita, pour toi, à quoi ça, au fond seul, pour nous donner une solution finale avec les gens, c'est de monde, au départ, qui était déjà une portion, poste ministériel, poste directeur général, en de pouvoir, en accord avec pour l'État, Augusto Pinochet, contre Salvador Allende, nous équivalent des gars qui étaient mourus dans l'époque là. Nous prenons une pour la caille, 11 septembre 88 dans Saint-Jean-Bosco, crime qui était fait, famancé, qui était assassiné, piqué, etc. Nous prenons 11 septembre 2001 aux États-Unis avec l'effondrement de World Trade Center. Je dis, ou un monsieur Dabio, je parle de venir accoucher, ils ont un rapport pour montrer nous son rapport, ça n'a pas gagné pour le web avec question peuple, ils ont venu accoucher un rapport Gofal, qui c'est à cause 11 septembre 2021. Encore 11 septembre, on date criminel. Non, on a demandé ces deux balles-là, on va sur ça. Si un maître m'a fait rire d'Oval, là, heureusement, les gens sont dénonciateurs, pas tentés, et qui assument pleinement responsabilité dans le cas de dénonciation sur l'assassinat de maître Monferrier d'Orval. Le 26 août, je porte plainte dans le cabinet de barreau de Port-au-Prince. Dans le barreau. Il me dit avocat qui s'est maître Monferrier d'Orval. Absolument. C'était le 26 août. Le 28 août, tu as assassiné. Ok? Moi, je dis à 80% par rapport au dossier maître d'Orval, tu as travaillé. Que me concerne pas de ça, 80% assassinat maître Doval là, lui sorti dans le barreau du Bourg. Et c'est barreau qui pour pas explication sur façon d'assassiner maître Doval là. Et nous disons nous-mêmes, nous ne pouvons pas prendre l'invitation. Nous rendons contre la commande pour politiser, pour déplacer scène de crime, pour faire diversion dans le cas d'assassinat maître Doval là. Nous disons c'est bien côté mal calculé, parce que moi déjà, je dépose déjà dans le cabinet d'instruction. Moi, je dépose un ensemble de dossiers dans le parquet là, pour transférer dans le cabinet d'instruction. Pour être capable de montrer, pour qu'on montre et affinité gagnée dans l'assassinat de Doval là, dossier a disparu dans le paquet là. On a ce paquet pour dire nous pour qui ça dossier, ça m'a déposé dans le paquet, dossier a disparu. Il faut suivre, il faut une déclaration, il faut une interview avec un célèbre journaliste, vedette, Marie-Lucie Bonhomme, sous dossier de Doval là. Regardez bien comment il disparaît. Vous coupez, je ne vais pas quitter le passé. Parce que je viens avec qui est-ce qui va quitter le passé? Ah, système mafia. Il n'y a pas de dépression, Marie-Lucie Bonhomme, aussi. Il n'y a pas de relève, Marie-Lucie Bonhomme, par rapport avec l'IOZ, pour me faire une interview. Ça. Qui est-ce qui est-ce ça? Non, ça veut dire. Si lui-même n'a pas dit qui est-ce. Même moi, je m'a dit, assassin. Parce que assassin, il a tué Doval là. Doval travaille sur un dossier. Côté que tu as pris près de 300 avocats que tu as pris dehors dans le barreau de Bourgogne qui n'est pas avocat. Est-ce que j'aime du pays à ça? Et parmi les avocats, il y a multimillionnaires dans une succession qui doit valer sa avocat. Ils vendent bien mon près de 9 millions de dollars. Et puis qui monde qui vient rétablir mon salon en qualité pour mon pour avocat ça vient de à qui pas bien de vendre bien ça, c'est mon frère Doval. Justice, président, justice. Bataille a commencé. Oh!
avec Jovenel Moïse. Moi, je fais campagne, je fais campagne. Mais moi, je ne travaille pas tout dans le gouvernement. Tout. Même si toujours eu des amis présidents avec la première dame. Là. Donc, je dis que c'est nécessaire pour résoudre ce parti là. Bien que je ne dis pas que je suis là, je ça. Il y a peur que nous nous venir parce que mon combat est un combat et ça fait aussi présence là, je dis à la matinée. Je dis à Mathieu Moïse, ça et. On est Bayo était en attente. Donc, Napton Bayo a avancé pour nous dire ça après. Pour être en attendant. Parce que les bagages, on peut pas le petit coup là, et puis nous problème pour qui devant. Mais depuis que ça se met là, ça veut dire paquet de bagages. Ça veut dire sortir, depuis que ça se met là, ça veut dire paquet de bagages. C'est s'il est lui-même qui va le dire, qui ça l'a fait, qui ça va faire. S'il dit non, le candidat, je connais qui ça va faire. S'il dit le candidat, moi-même tout de suite encore. Je connais, soit regarder Jérémy, la ville Jérémy au Kai, ou après c'est musique, c'est à travers musique qui la machine à tout côté. Alors, l'idée de cette machine là, je vais m'avancer, je vais venir côté, je vais saluer, je vais courir, je vais parler qui est en même là. Ça veut dire, je viens là, je dis, présence, je vais regarder, je vais, si je viens là encore, je vais regarder, je vais présence, je vais dire, ça veut dire, un paquet de bagailles, côté matin, il y a des mêmes candidats, je vais supporter. Il faut que vous ayez fait, oui, pour le café, j'ai pour le fait là. Donc ça veut dire qu'il y a là, faut que tout le monde parti pour dans la société, il faut le parti pour dans la société. Faut qu'on connaisse, mais c'est où nous dire. Ou pas qu'à pas d'information comment la police fonctionne, il va normalement moucher. Pour qu'on est comme si nous, les gars fait le ça fait pas bon qu'on y a, et puis nous, les citoyens qui ont pris les gars, ils disent, mais tel bail, vous savez, qu'on y a tel argent, il va pas qu'à faire. Même pas qu'on gagne contre l'argent, mais l'on fait ça par exemple, on a identifié. C'est facile pour tout le monde, qu'on est qu'on y a avec question à faire. Donc je dis là, où dit vous n'avez pas position. Position qui est là, on a mal de bouche, ça va pas passer. On a mal de ces problèmes intelligents pour nous arriver là, pour nous arriver là, pour nous arriver là. Mais si nous avons ça, l'irresponsable, bon sens. On ne peut pas ça. Comme nous avons là. Sauf que dans mon même, pour ça. Ça me connaît, je ne sais pas, je ne vais pas arrêter ma spéculation, je vais battre sur ma marche de côté, quand à moi, je vais me dire, je vais me dire, non. Quittez-moi dans la situation pour nous connaître. Mais ça me connaît, je vais me dire, ouais. Nous allons employer telle stratégie pour nous arriver à tel bagaille. Mais comment on a fait le premier temps comme ça, le deuxième temps comme ça, le troisième temps comme ça, et puis la bombe tout ça. C'est 4 ans de prendre pour me prendre dans 2005 à 2009, pour me parking tout bandit dans la commissaire, dans la pénitentiaire. 4 ans. Donc c'est pour moi comme si vous allez vous mettre, vous avez dit, 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 ou même comme de créer perception sécurité à la caillou. Pour que comment me faire là où il va job le jeune connait non pour ça me dit qu'on fait oui tout côté passé ouais policier ou songe ou le vie dans le président tout côté passé dans toute petite roue rien parce que négocier dans cour rate de fonctionner ils ont sorti notre roue au fond pour rentrer et même bouger droit donc c'est mon bataille pour ça pas moi pour faire ça me faire donc même c'est maximiser prévention ouais me dit président va ça le président va passer pour voilà pas de la demander m'a tout fait la police dans tellement rien sur police connait pas même non m'a bouger. Juste, c'est établi parce que prendre garde. Pour nous divorcer avec pratique ça, qui ça nous fait? C'était reconsidérer formation de oui. Par exemple, nous devons faire la 18e promotion. Il y a le petit digicel. Vous changez? Qui est un partenaire qui s'intègre dans la société? Bon, nous devons arrêter chauffeur qui a beau comme. Donc ça veut dire que nous commencer à changer. Là. Le 19e promotion, ça nous fait bim. Nous disons que moi qui brise ce qu'on y a là, mais bim tout le côté dans le pays. Dans la capitale là. Et comme tu fais tout ça dans la capitale là? Une 20e promotion pour nous, un gros problème de minutes. Ou après, comme si tu as une équipe belle, convête, et pour vivre, n'importe quoi, parce que nous avons une conne, à n'importe qui, là aussi, nous avons une police du tout. Donc, c'est pour nous décaper, justement, créer la perception. Parce que, comme on parle de nous, il faut agir moi-même comme responsable sous paix, sous conscience, sous comprendre, il faut pour moi nous calme. Parce que sous paix, c'est plus de sécurité que nous gagner, parce que le paix, c'est l'équipe à l'engendrer, tout le dégât est négatif. Donc, à ce moment-là, c'est établi. Si même je dis à Mdougounia, un peu de bonheur, là, oui, j'ai un petit idée de blague. Mais Mdougounia, est-ce que vous avez arrêté de dire, bon, mais qu'on va le faire, il faut que tel bagage, il faut que ça, il faut que ça, je ne peux pas dire là. Nous comprenons DG, mais l'autre bagage qui est plus dérangeant, c'est ce qu'on a fini peut-être. Je dis à lorsque l'autorité, notamment la police, parle, c'est rarement que ça les dit en genre de l'action, mais qu'on chef bandit, qu'on chef de gang dit, je vais faire mes zones demain, et qui dit, qui fait, tant que vous dites dans le bon créole, et ça, pour la société, c'est grave. C'est grave pour moi tout. C'est grave pour moi, oui. Comme mon chef de police. Vous comprenez? Comme si nous avons arrivé dans la face de la profondeur. La ferme, oui. Vous comprenez? Je ne sais pas.
Merci beaucoup, monsieur Mario. Vous pouvez arriver, vous pouvez arriver là, il n'est pas normal. Vous nous savez, il n'est pas normal. Donc ça veut dire que vous n'êtes là, un. Et là, encore tout le monde, est-ce qu'il m'a arrivé là? Est-ce qu'il m'a arrivé situation ça? Ah ouais. Merci beaucoup, monsieur Mario André Sol, de votre disponibilité. Vous partagez un pile d'idées avec nous, tant qu'on nous redit, nous devons phase pour que parole engendre l'action, parce que on en a marre. La société n'en peut plus. Je le dis comme simple citoyen, peut-être, et avant d'être journaliste, avant d'avoir cette opportunité. Merci, merci beaucoup. Comment malheureux malheureux pour nous trouver une base pour fonctionner dans le pays. Est-ce que le pays ça marche, est-ce que le pays ça fonctionne? Tout du départ réel. Depuis le pays a avant un problème gaz, malheureux malheureux pour une gaz pour fonctionner. Et ça permet moi-même je dis, je parle dans la presse, c'est Ariel qui n'a pas de place dans le pays. La réalité c'est parce que pas de l'État. C'est que l'État qui a gaz qui produit dans le pays, pas de ce système qui permet de faire le monde qui a souffert. Je dis, c'est que l'État qui a histoire parce que nous avons la police, nous avons la main. Je pense que l'État qui a mettre les gens dans le gaz à l'envers. Parce que je dis à quelqu'un qui a fait un problème de ça. Vous comprenez, si malheureux, si malheureux, moi qui ai regardé le matin, en passant les misères, pour jouer un petit gaz, pour aller chercher mon diplôme, je dis à quelqu'un qui a fait un problème. Je dis à ce parce que nous ne sommes pas l'État qui est responsable, Ariel qui est responsable, départ Ariel, ça continue parce qu'il n'y a rien dans le pays. Je dis à mon nom, c'est que vous qui savez permettre un pile de caoutchouc, parce qu'un pile de mon envie fonctionner, il n'y a pas qu'à jouer un gaz pour fonctionner. Moi-même, personnellement, je n'ai pas qu'à jouer un gaz pour mener des petits pour l'école. Est-ce qu'on peut y marcher comme ça? Je dis à nous, pas contre les revendications, nous avons le caoutchouc. Nous faisons sentir le problème de gaz arriver sur eux. Parce que chauffeur moto, elle va la respirer. Pour payer un sol, je tiens à une gaz pour payer le sol là. Je tiens à une gaz pour le centre comme l'école petite. Nous même de collaborer, nous demandons des départs Ariel sans condition, Ariel va gagner place dans ce pays là. Bon, nous comprenons que tout simplement le pays a son pays qui, par rapport avec gouvernement qui a dirigé là, son pays qui foutu. Parce que comment faire mon pays côté l'État qui a régularisé la question de gaz en Haïti, pour même l'État ça, pas qu'à mettez moyens politiques, chita à terre, pour permettre que ça régularise. Je dis à l'âme, parce que l'État et nous-mêmes citoyens, qui nous-mêmes tout besoin de gaz dans le pays, nous pensons que l'État a toujours failli ambition, mais je dis à l'âme, l'État a caronné. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, au système qui a marché, monsieur, côté gaz absorbe sinon, pour venir là, pas même que pas même que presque 30 km qui sépare de côté gaz absorbé avec la Delma pour nous pas qu'avons l'État qui régularise tout ça. Ça veut dire tout simplement tout le monde livré à eux-mêmes soit descend là en train de là ou après caoutchouc dans la rue soit descend en train de caoutchouc dans la rue sur mouton ou à la évoque pire. Ça veut dire qui ça? La police gros diable. Nous n'avons pas qu'à combler vite ça, parce que même les policiers, même les sauvegardes, même machine la police, pas de gaz, ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous avons l'État qui faillit, nous avons l'État qui arrive à notre degré chaotique dans le pays, côté tout le monde, c'est eux-mêmes qui vous gèrent les têtes, côté c'est le chaos total, donc c'est la race. Donc même message m'envoie pour l'État ça. Nous reconnaître comme citoyens que l'État ça, il faillit et il finit. Nous reconnaissons tout en deuxième lieu que citoyens dans le pays, pourquoi assez conscients pour comprendre que aujourd'hui, il faut que force l'État pour responsabilité. Tout autant nous avons des citoyens qui viennent gourmer en bas pour gaz là. Ils ne pas comprendre que c'est un pied pour mettre sous béton, pour faire revendication au palais. Et pour l'État garantir une bonne. Pour l'État garantir une bonne société, mais ça ne va pas faire. C'est ça qui fait nous convient tous les citoyens. Changer match bataille là. Bataille là pas supposé faire un bon plan, mais supposé faire dans l'arrière pour nous. C'est à ce que pour l'État pour responsabilité. Quand tu es petit, autant de parler de président de la République. Quoi? Président de la République. Et c'est peut-être ça avec grande émotion. M'a dit président de la République. M'a parlé de où qui est capable de venir président de la République. Prière nous va accompagner. Conseil, notre petit monsieur, dame, ça nous va accompagner. Il y a des notables en ville Gonaïve qui l'a toujours. Il y a qui dans l'autre côté. Il y a ça qui partout dans le pays. Des Haïtiens, des nègres blancs, des nègres jaunes qui va accompagner. Ou pas seul. Et chers amis, c'est avec plaisir que matin, nous te prêtons nous voir moins pour nous être capable de transmettre un message ça. Qui pas message bam, mais son message que seulement. By voix pour me capable de transmettre à vous-même. C'est avec plaisir, monsieur Jeudi, que peut-être son seule fois, ma carte cité non, j'en ai cité là, parce que demain va citer encore,
on va entourer de une série de gardes du corps, etc., etc., qui a dit, c'est pour me dire, avec plus respect. Peut-être que nous tous qui l'a, amis, frères et sœurs, merci de ce que nous t'es venu pour nous t'es capable de dire oui, oui, amen, vive, 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 vive. Et m'a demandé nous encore de toute voix, nous, avec toute voix, nous, pour nous t'a dit, vive Wilson GD. Vive Wilson GD. Vive Wilson. Vive Wilson. Vive Wilson. Est-ce que nous parlons pour nous recevoir président Wilson GD, président de transition? Moi-même, en tant qu'antibonicien, moi fier, je dis, pour me sous podium, côté Papa Dessalines, te déclaré première indépendance là. Après que tout pays, Grand Sud, Grand Nord, tout département, les n'a gardé sous réseaux sociaux. Nous avons Nord-Est qui acclamé président Wilson Jeudi. Nous avons Nord qui acclamé président Wilson Jeudi. Nous avons Plateau Central qui acclamé président Wilson Jeudi. Combien pour me fier en tant qu'antibonicien pour que plus bon cadeau, c'est la caille où elle sortit. En nous elle est vive président Wilson Jeudi, c'est notre changement. Si mon Gonaïve, mon Semak, mon Ansouj, mon Terneb, mon Henry, mon Saint-Michel, mon Everett, mon Dédune, mon Grande Saline, peut-être campé sous deux pieds, pour dire ça pas passé. Papa de Saline, t'es pas première indépendance là, non Gonaïve, et mes deuxième indépendance là, n'a fait la Wilson jeudi et n'a fait le net. Merci Molly. Moi j'ai un petit monde là, son petit monde petit lié. Est-ce que nous pas contents pour gagner une seule école? Et l'école ça qu'a gagné, c'est l'école pour préparer nous au Wilson jeudi qu'a vienne pour sauver Haïti après que nous. La Tibonite qui porte noni, faut nous fier. La Tibonite porte noni, grenier d'Haïti. Ça veut dire c'est dans la Tibonite, nous avons joué toute structure pour que Haïti capable de changer visage. Je dis, nous sous podium, place Dame de Gonaïve, place côté Papa de Saline, de déclarer première indépendance là. Avec nouvelle indépendance là, jeudi 20 octobre 2021, nous fiers, nous-mêmes femmes voyants, garçons voyants, jeunes garçons, jeunes filles, grand monde, nous disons nous bouquer avec insécurité, kidnapping, grand goût, la vie chère, et puis pays à notre où nous ne pouvons pas qui va nous sortir. Ben là nous gardons expérience, monsieur Wilson Jeudi, à Delma, nous sortons ici tout pays. Quand on est dans nous carrément en souffle. C'est peut-être ça. Nous proclamer Wilson Jeudi, président transition pour Haïti, sorti dans misère. Et je dis à mon beaucoup de chapeau pour toute représentant organisation. Malgré la rue à bloquer, de toutes difficultés, nous sommes par les quatre bureaux là. Seulement nous connaissons que pays a traversé des moments très difficiles. Sorti depuis 1806, après la mort de la nation, tombé dans le 27e 1915, 28e 1915, pays a ses projets, pays a plongé. Et nous-mêmes, pays a traversé un moment très difficile, très malouf, nous dit que toute organisation dans la vie nationale là, nous faisons coup à coup, nous choisissons Wilson Jeudi comme président de la République, président provisoire PIA, qui a tracé un exemple pour toute nation, pour toute génération qui a fini, puis on a fait PIA de notre façon. Et Nabdi, c'est Wilson seulement qui a fait l'élection, qui a exprimé en confiance, comme nègre sérieux, comme nègre propre dans votre population, qui a allé dans l'élection. Parce qu'on regarde combien de temps il y a eu l'élection pour pouvoir faire l'élection. Mais Wilson, il nous a dit que des gens qui transforment comme une Nelma,
de gens communes, de propres communes d'Elma, ils viennent transformer le jeudi. Si nous avons Wilson dans chaque commune dans le pays d'Haïti, Haïti a pour notre visage. Mais plus que Wilson, pas comme Haïti dans toute commune, c'est peut-être ça, nous faisons choix, Wilson comme président provisoire du pays, qui a retiré le pays dans ce qu'il y a aujourd'hui. Jeudi, on a constaté que le pays d'Haïti, qui a traversé des moments difficiles, contre tout près nous, qui a traversé ces domaines, Chili, Guadeloupe, Povo, bien chercher la vie mieux, là on arrive, qui ça va faire? C'est nos jardins à le travail, c'est pour qu'ils mortier à lever, nous devons faire ça dans le pays. Nous, je dis à que nous besoin l'État sérieux, on l'État qui est caractère, on l'État qui est leadership, je dis à qui pour créer une main-d'œuvre de l'intensité, qui va empêcher qu'on fait nous être immigration, Brésil, Chili, bien chercher la vie mieux, bien chercher la vie mieux. C'est peut-être ça que nous faisons choix. Wilson, je dis comme président PIA, qui a été PIA dans tout ça. Et dans ce que je dis, et tout secteur de la vie nationale là, accepter l'idée propre là, comme président PIA. Parce que là, nous regardons que de mauvais moments, nous avons traversé Haïti, qui fait 21 ans pour occuper ce domaine. Nous avons tout confrères nous. Là, on va aller pour étudier ce domaine où y aller. Nous avons tout confrères nous. Là, on va aller pour étudier ce Venezuela pour y aller. Et qui est-ce qui est le Venezuela pour y aller? C'est nous qui avons aidé Venezuela pour l'indépendance. Mais ce problème dirigeant que nous voyons, qui cause le pays à avancer. Et là nous regardons, nous disons la Richa, Brasse nous plantel, Maïa, Zoyo Rassé nous plantel. C'est parce que nous avons l'État qui a encadré le secteur paysan, paysan, qui a permettre qui a permettre manger, nous produire des nécessités que nous avons dans le pays. C'est parce que nous avons même les gens qui montent comme l'État, c'est les gens qui ont fait tout le secteur privé qui empêche nous d'avancer. Ça veut dire que nous avons une zone. Je dis à la nouvelle territoire au niveau commune d'Elma, il ne peut pas être ni secteur privé, ni même pour le transformer commune d'Elma. Mais peut-être ça, nous-mêmes, le département Tibonite, nous connaissons là, et Gonville Bonaï, c'est là nous avons première indépendance. Nous. C'est peut-être ça nous réunis dans le papier, papa de Saline. Je dis à nous faire deuxième qui t'attendait, premier qui t'attendait que tu nous le travail, deuxième qui t'attendait à vous le tirer pays là, dans sa lieu, je dis à. Et même ça que nous faisons là, sont tous de la presse, sont tous 10 départements, pour nous parler, pour nous délivrer le message là. Je viens là, je viens de Corée, président Wilson, à plaisir, nous d'accord, et peuple Bonaï d'accord. Pour son président provisoire. Qui donc on va mettre Maro propre. Avec une bonne son être propre. Nous d'accord pour nous faire son pays, pour faire pays propre pour nous à nous besoin. En cas d'anticipation, préparation que AAN a fait sous directive colonel Mehu pour montrer que nous pas pendant le coronavirus là, et pendant que gain diminution trafic, nous-mêmes nous parlons de Chita, nous avons fait travail pour de manière à ce que le, pour nous, premièrement, pour nous répondre à l'exigence du coronavirus là, et aussi le grand relance trafic là, pour nous gagner des espaces disponibles pour qu'ils recevoir des trafic qui pourra augmenter sur Haïti. Son salle que nous commençons depuis début année A. Donc, bon, vu la crise sociale et politique dans le pays, des fois nous faisons petit camper. Mais cependant, l'objectif a toujours été même. Par rapport à ça, nous avons qui était un espace qui est limité et que le coronavirus a été venu exiger nous que faut nous faire distanciation sociale, faut nous mettre mon lieu en façon pour une part sous l'autre, qui était diminué dans la capacité nous. Nous avons bon que AN était bon que faut nous agir en conséquence. Agir en conséquence veut dire pour nous capable toujours prendre même quantité de passagers dans un confort qui est acceptable, c'est faire une autre salle. Donc c'est effectivement ça que nous avons gardé là, qui premièrement capable de prendre un plus grand nombre de passagers par rapport à ça que nous avons là, qui en bas, qui était limité à 300 passagers. Là, nous avons une autre salle qui peut prendre jusqu'à 500 passagers. Donc c'est lui-même que nous avons gardé là, qui permet de nous capable de faire distanciation sociale là. Mieux, préparer mon mieux par rapport à mouvement en dans la salle là, dans restaurant et magasin, prendre mon mieux. Pour éviter la propagation du coronavirus là. Et n'importe qui l'a tout à gagner, augmentation trafic aérien sur Haïti et n'a bien un espace disponible pour accueillir mon mieux. Regardez bien là, toute partie qui gagne à Wea, climatisation, électricité et aménagement fin fait. Nous seulement arrêté avec concessionnaires qui prennent pour mettre store et d'outils fruits et restaurants. C'est eux-mêmes qui ont fait aménagement intérieur en deux espaces là pour le moment. Donc, nous avons jusqu'à 3 semaines à 1 mois pour salsa disponible et complètement. L'année dernière, à pareille date,
j'avais fait le pari de revenir ici au constat de fonctionnement amélioré de la justice haïtienne. Je vous l'avoue que j'ai perdu mon pari. Cependant, je n'ai pas perdu l'espoir. L'espoir qu'un jour, le soleil brillera sur la justice de mon pays. Commencer mon intervention à partir de cette expression me peine. Lorsque, avant-hier, le président Emmanuel Macron, il a ouvert les états généraux de son pays, alors qu'en dépit que l'Association nationale des magistrats haïtiens et d'autres font la promotion des états généraux de la justice haïtienne, il semble que c'est un vœu pieux où cette parole a été prêchée dans le désert. Commencer mon discours sur ces expressions alors que de nouvelles lois sont adoptées aux États-Unis pour conforter l'indépendance et la séparation des pouvoirs. Or, en Haïti, les juges sont obligés de recourir à une pétition pour imposer l'installation de la quatrième judiciature. Ce 20 octobre 2021, jour pour jour, à cette date de l'année dernière, je me tenais derrière ce pupitre, sollicitant aux acteurs judiciaires un complot positif pour épargner les justiciables des grèves incessantes. Certes, il paraît que certains acteurs sont de bonne foi. Cependant, les politiques veulent encore tenir sous coupe réglée le pouvoir que Dieu a confié à des hommes pour régler les différends entre eux, la justice. Mesdames et messieurs, quand un chef de famille est absent, naturellement et automatiquement, les enfants le substituent. Or, nous savons que l'enfant, il n'a ni la capacité, ni le jugement, voire l'autorité de diriger. Ainsi donc, lorsque l'État faillit, le bandit le substitue. Car c'est scientifiquement prouvé que la nature ne tolère pas le vide. Lorsque la population n'a pas accès à la justice, c'est un grand vide. Lorsque les tribunaux de paix ne font pas impact positif dans les milieux urbains et même dans les grandes villes, c'est un vide important. Lorsqu'aucun juge, aucun parquetier ne peut planifier sa vie en comptant sur une carrière dans la magistrature, c'est encore un grand vide. Des vides que le CSPJ doit combler. Des vides que la Cour de cassation doit immanquablement combler. Des vides que la Fédération des barreaux doit combler. Des vides que le Bureau du protecteur du citoyen doit aussi combler. Des vides que l'organisation de la société civile doit combler. Et tant qu'il y a des vides, tant que les vrais hommes et femmes ne sont pas à leur place, mes chers amis, tant les bandits
gouverneront ce pays, la justice, l'éducation et j'en passe. Nous sommes arrivés à un carrefour où notre vie en tant que peuple libre, nation, est menacée. Nous avons perdu tout ce qui faisait notre fierté, fierté d'homme, fierté de femme. Ne fuyons pas. Ne nous décourageons pas. Comme espérons, comme nous dit la Bible, contre toute espérance. Comblons de préférence les vides. Ne laissons plus de place à la corruption, à l'injustice, au monde paniste, à la médiocrité. En un mot, bannissons le banditisme sous toutes ses formes. Nous avons considéré l'intégrité comme l'exigence d'un comportement irréprochable tant dans sa vie privée que publique. Et pour nous, celui qui doit bénéficier du prix Rocadet, eh bien, doit cultiver l'intégrité comme valeur. C'est-à-dire, doit faire preuve d'un comportement irréprochable. Et aussi, nous avons considéré que la valeur courage doit être associée au comportement des acteurs du système judiciaire. Parce que dans un pays comme Haïti, même si vous êtes compétent, même si vous êtes courageux et intègre, si vous n'êtes pas courageux, eh bien vous ne saurez surmonter les obstacles, les difficultés qui jugeront votre parcours. Vous ne saurez surmonter la peur pour prendre les bonnes décisions pour agir de la meilleure des façons possibles. C'est donc à la lumière de ces critères que nous avons pu élire les nominés de ce matin. Au nom donc du jury, je proclame que les lauréats du prix Rocadet 2021 pour ce matin sont dans la catégorie magistrat, le juge Grecia Norceus. Dans la catégorie magistrat également, l'autre lauréate, c'est le juge Annie Fignolet. Dans la catégorie greffier, le choix du jury est porté sur le greffier Christophe L'Espérance. Dans la catégorie chroniqueur judiciaire, le choix du jury est porté sur le journaliste, le reporter Marc Gerson Philistin de Radio Caraïbes. Et enfin, dans la catégorie avocat, le choix du jury est porté sur le professeur Serge-Henri Vieux. Je tiens à exprimer ma reconnaissance pour cette distinction portant le nom de mon illustre formateur et collègue, le doyen Rocadet. Je salue le président de l'Association nationale des magistrats haïtiens, Maître Wilner Morin, pour avoir créé ce prix pour encourager tous les professionnels qui ont fait preuve des principes déontologiques dans
dans leur fonction ou dans leur métier. Je remercie toute l'équipe de SOS Liberté, particulièrement Madame Marie-Danielle Morin, pour avoir organisé cette cérémonie grandiose pour nous honorer. Merci, Madame. Je remercie les membres du jury pour avoir pris le soin de suivre notre parcours dans le système judiciaire et d'apprécier le travail que nous avons fourni pendant ces longues années de notre carrière. Savoir apprécier est un art, dit-on. Merci d'apprécier les efforts de ces professionnels de bel eau qui évoluent dans une conjoncture si difficile. Je reçois ce prix au nom de tous les magistrats des 18 juridictions de la République qui travaillent dans l'ombre et qui, comme nous, appliquent dans leurs fonctions de belles qualités déontologiques, dont le courage. Cette distinction nous motive davantage à donner le meilleur de nous pour continuer à travailler pour une justice forte et indépendante et à tenir haut le flambeau en ce qui a trait à cultiver ces belles qualités déontologiques dans notre fonction ou dans notre métier. Longue vie à SOS Liberté pour nous avoir attribué ce prix. Merci, merci, merci à tous. Aux membres de SOS Liberté, aux membres de la magistrature, à ceux du CSPJ, aux avocats et à toutes les avocates de la République, je présente mes remerciements aux uns et aux autres, parce que vraisemblablement, sans les uns et les autres, je ne serais pas ici. Les uns pour m'écouter, les uns, les autres pour me dire, comme disaient certains, « Mais maître, il est temps d'abréger, vous faites des kilomètres de plaidoirie, on a déjà tout compris, ça suffit. » Je ne ferai pas même 10 centimètres de plaidoirie aujourd'hui. Il ne s'agit pas de plaider, il s'agit plutôt de remercier. Je remercie encore donc tous les uns et tous les autres, notamment les membres de mon cabinet, sans lesquels je ne pourrais sans doute pas plaider comme je le fais et comme je l'ai fait pendant durant des années. Je remercie également tous ceux qui m'épaulent chaque jour, au quotidien, sans oublier ceux qui, hélas, font partie de ma vie et m'ont quitté. Cela étant, je voudrais quand même dire un petit mot pour remercier ceux qui m'ont fait l'honneur de cette distinction. Cela étant, je voudrais ajouter également que cette distinction honore l'intégrité, le courage, et je suis un petit peu surpris puisque à l'automne de ma carrière, je revois un peu le printemps comme si on m'offrait des fleurs pour développer un nouvel été. Je dis donc à ceux et à celles qui sont ici et à tous ceux qui vont me suivre, il faut effectivement, pour que cette fonction, qui est une fonction noble, en tout cas, du moins, telle que je la concevais, ou telle que je la conçois toujours, que les uns et les autres, lorsqu'ils vont plaider,
sachent qu'ils ont pour mission non pas de défendre seulement la veuve et l'orphelin, mais de dire la justice, c'est-à-dire de dire le mot juste. Aujourd'hui, nous portons des masques et la justice a des yeux bandés. Peut-être que nous sommes presque, enfin, au niveau de la justice. Mais cela étant, lorsque nous venons plaider les uns pour une cause, car lorsque nous venons plaider, ce n'est pas X ou Y seulement que nous défendons. Il faut absolument que derrière cette personne ou celui qu'on défend, il y ait une cause. Il faut aller au-delà de ce que l'on plaide. Il faut aller au-delà de la démonstration parfois asséchante et parfois difficile de la rhétorique et du droit. Il faut avoir conscience que lorsqu'on plaide, il faut, pour convaincre et pour vaincre et convaincre ceux qui sont en face de vous, mettre une âme, une cause derrière le litige ou derrière ce que vous défendez. Le bon journalisme réveille les nantis installés dans leur confort et réconforte les affligés, disait quelqu'un. Chez nous, cette phrase prend tout son sens et constitue pour certains un credo de la pratique du métier. Madame, Monsieur, j'aimerais, avant de poursuivre cette brève intervention, dans ce moment d'apothéose, vous invite à honorer la mémoire des victimes de l'insécurité en Haïti par un moment de silence. Jamais le pays n'aura autant besoin des travailleurs de la presse. On nous appelle les gardiens de la liberté d'expression, élément essentiel dans toute vraie démocratie. Dans un pays où l'État est au service des puissants, nos journalistes, au lieu de servir de caisse de résonance, devrions chaque jour nous atteler à peindre la réalité aussi hideuse qu'elle puisse être à la présenter au pouvoir public qui cherche toujours à s'en démarquer. Ce matin, c'est avec beaucoup d'humilité que je reçois le prix Rock Cadet 2021. Cette humilité que j'ai appris à cultiver sur le terrain en rencontrant des anonymes dont les vies sont inspirantes, en leur accordant une chance de risquer une parole qui perturbe la société dans son faux confort, en faisant écho de leurs demandes de justice sociale, en leur permettant d'aspirer à l'un de leurs droits fondamentaux, le droit à la vie. Loin d'être une récompense, en tout cas de mon point de vue, ce prix me met face à une grande responsabilité, celle de continuer à faire de ma plume et de ma voix des instruments utiles dans une société où ce métier est objet de souillure. Notre travail, en tant que travailleur de la presse, est un sacerdoce. Aussi, est-ce pourquoi je dédie cette distinction à tous mes collaborateurs de la radio Caraïbes FM, à ma famille qui avait vu en moi, dès mon jeune âge, cette passion pour le journalisme. Je le dédie à tous mes confrères de la presse qui travaillent comme moi dans des conditions difficiles, dans un pays où ils sont tiraillés entre précarité et volonté de rester dignes. Fort souvent, le travail des magistrats, qu'ils soient de la magistrature assise ou debout, est très mal compris. Un magistrat peut vouer toute sa carrière à travailler pour garder l'équilibre et l'harmonie sociale en rendant justice à qui elle est due. Mais il suffit d'un simple acte posé dans le cas d'une affaire ou d'une décision rendue pour remettre en question sa compétence, son impartialité, sa loyauté. C'est qu'en Haïti, le perdant n'a jamais bien perdu et le gagnant ne gagne jamais assez. Le prévenu ou l'accusé reconnu coupable s'estime toujours innocent des faits qui lui sont reprochés, alors que la victime, pour sa part, a toujours en tête
que la loi n'est pas assez rigoureuse au regard au préjudice subi. Et au beau milieu de toutes ces contradictions, il y a le magistrat qui se trouve mêlé avec pour unique boussole la loi et sa conscience. Heureusement, il existe toujours un faible reste, une toute petite cellule de réflexion qui, dans ce bohu, dans ce dialogue de sourds, regarde minutieusement le travail des magistrats et chaque année sélectionne certains de ces titans, de ces héros et héroïnes du prétoire pour reconnaître publiquement l'exemplarité de leurs efforts, même au péril de leur vie. Et par là, je voudrais remercier tous ceux et toutes celles qui ont concouru à la réalisation de l'événement de ce matin, mettant en évidence le travail de certains professionnels de la presse, de la basoge et de la magistrature, dont mon humble personne. Voilà, et merci avec tout le monde qui était branché, écoutez qu'à attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous nous abonner avec chaîne là. Et toujours songez pour activer la cloche là. Les nous lagons vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin de chercher pour nous. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée si c'est matin. Bon matinée.